Je pense d'abord qu'on a joué face à un très bon adversaire, un adversaire qui a bien joué au basket, qui a montré beaucoup d'adresse à la périphérie et sur l'ensemble des joueurs, pas simplement sur un ou deux joueurs, mais en particulier aussi sur ses joueurs intérieurs. Et un adversaire qui nous a posé des problèmes pendant au moins toute la première mi-temps et contre qui on n'a jamais réussi à creuser un écart important puisque on a eu du mal à prendre plus de 10 points d'avance. D'abord un premier effort en début de deuxième mi-temps et puis après sur la fin de match. Mais on a souffert ce soir, on a souffert parce qu'on n'a pas mis l'intensité défensive qu'il fallait pour bien aborder le match. Donc, je pense même si on n'oublie pas la journée du 25 mai, je pense qu'on était d'abord content de retrouver le Palais des Sports et de jouer, pendant quelques mois, on ne l'a pas eu. On a recommencé à s'entraîner dans des conditions un petit peu difficiles, parce qu'il y avait encore des travaux. Et puis là, maintenant, les travaux sont terminés, on va pouvoir travailler un peu sereinement, mais il fallait effacer un petit peu cette défaite contre le Jet Vosges de notre tête. Et recommencer par une victoire. Alors maintenant, on est reparti sur une série. On espère qu'elle ira encore un peu plus loin que l'année dernière.